sais ce que c'est, un jeu avec des gros arguments. Non mais un jeu vraiment avec de très gros arguments. Non? Ouais, tu dis oui, mais je suis sûr que tu connais pas Succubus with Guns. C'est un de ces jeux qui a vraiment d'énormes arguments. On va aller vérifier ça tout de suite. Tadam! Alors, ils sont pas gros ces arguments? Succubus with Guns, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je suis allé voir cette preview où je me suis dit, tiens, mes viewers seraient fort intéressés de savoir si ce jeu qui. Un FPS? Peut-être. Et fort bien désigné. Oui, je mélange les termes. Et en fait, on va juste aller vérifier qu'il y a réellement un jeu là derrière, qu'il n'y a pas juste du fan service. Ce serait pas mal quand même. Parce que bon, c'est pas moche, mais si en plus c'est jouable, why not? Oui, vous aussi, vous l'avez cette impression. Non, pas l'impression de déjà vu, on l'a déjà tous, celle-là. Non, l'autre. Oui, cette impression qu'on se fout de nous, parce que les géométries ne sont pas du tout celles qui ont été montrées sur les différents éléments teasant le jeu. Oh, quoique, il y a du bump sur ces textures, ou je rêve. Ça, c'est moi. Et surtout, ne me demandez pas ce que je fous là, sinon je me mets à dandiner du cul. Et voilà. Donc voilà ce qui attend le joueur pendant des heures et des heures dans Succubus with Guns. Moi, j'aurais pas mis Guns, hein, honnêtement. C'est Guermio de face. Mon Dieu, les miracles de la gravité chez les développeurs. On va y aller, hein, gentiment, parce qu'on est des Tiffenzy et qu'on aime bien faire des gros plans sur les portes d'entrée. Oula, alors la démarche est pas super top. Le saut. Ok. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Baisser. Oh, je peux me croucher. Regardez, je marche comme une. Je marche comme un cul qui se dandine devant. Les yeux ébahis du pauvre joueur. Qui est là, qui fait le clipping des jambes est pourri. Et il a raison. Est-ce que je peux me relever? Ce serait bien. Merci. Sauter. Et c'est tout? Je peux pas fighter? Ah, je peux mettre mes petits bras devant pour me protéger, donc je peux mettre un coup. Greu! Oh, je suis couleur! C'est parti, les amis, ce jeu doit être génial! Comment ça, j'ai encore sorti mon t-shirt de Sarcasti Ball? Pas du tout. Regardez, un cercle en feu, et moi je vais dedans. Hold the shift to run. Ok. Je vais lui donner une info quand même au jeu. Je suis avec le pad là, gars. On fait comment? Tu me ramènes, je te ramène. Je shift, je cours pas plus là, les gars. Je me protège en même temps, mais bon. Je courrai jamais, apparemment. Trouver la clé pour ouvrir la porte. Comment ça, le son est très bas chez vous? Bougez pas, je vais corriger ça. Je voudrais pas que vous ratiez une miette de ce titre. Mieux? Ah oui, on entend les dialogues et tout. Magnifique. Regardez, une porte! Et qu'est-ce que je fais avec la porte? Je me dis, il me faut une clé. Il me faut une clé. Ok. Oh, une clé! J'ai mis du temps à la trouver, avec toutes ces énigmes que j'ai dû résoudre. Mais, ah! C'est peut-être pas un jeu d'aventure. C'est peut-être pas un point and click, finalement. Encore un cercle de feu? Ouvrir la poitrine? Non, le coffre. Oui, à une lettre près, hein, c'était foireux. Je prends mon temps, hein, histoire d'apprécier cette démarche qui a été travaillée en mocap sur une stagiaire ou la petite amie d'un des devs. Je pourrais jouer au clavier. Alors, c'est une idée farfelue, ça, mais non, c'est trop tard maintenant. Eh, hey, je suis une succube avec des flingues! Espèce de blob! Alors je sais qu'on n'est pas dans un D&D, mais on est obligé d'avoir des blobs encore. 2021.
Ah, mais j'ai plus de munitions. Gros, méchant blob, méchant blob, méchant, méchant. Oui, je fais très très mal la succube parce que j'ai mal étudié pendant mon stage. Les champis, je peux les gros. Ah, gros les champis. Vous me direz, mais monsieur K, tu t'enfuis du terrain de jeu, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 je sais très très bien ce que je fais. Avec mes New Rock, mon body en cuir, et une grosse envie de me barrer de là. C'est une sortie, ça, les gars. Oui, sans doute. La succube avec des flingues, un jeu que je ne saurais que recommander aux gens qui n'aiment pas les jeux. D'accord, ok. Et des zombies. Qu'attendent, hein. Ils sont patients. Je vais leur marcher dessus, c'est pas un problème. Des zombies, tireurs à l'arc. Des zombies. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Des zombies crasheurs, il me faudrait. Bah oui, le panel est pas complet, là, les gars. Arrête! Pas les affaires, on a dit. Et ça spawn non-stop? Peut-être. Ah, gros, gros, gros! Ah, gros, gros! Attends que je retrouve ma touche. Bon, tout ce petit monde vient comme dans un Romero se faire dégommer, hein, tout simplement. Gros, gros, gros. Cours, cours, petite, cours. Regardez le rendu de ce cœur. À lui seul, il sauve le jeu. Et on va essayer de trouver un autre gun, parce que là, ils vont me scotcher, ils vont me courir après, ils vont faire des trucs pas bien, quoi. Un gun. Et regardez la passion, l'intensité, et le suspense surtout, quoi. Parce qu'on ne sait pas si je vais arriver à m'en sortir. Et ça, vous le saurez uniquement en regardant la pub que je vais insérer ici, tiens, maintenant. Reviens, reviens. Oh, bah t'as cul. Quelle est bête. Ça mérite un prudent. Voilà. Elle était bien, cette pub? Comment ça, j'ai pas inséré de pub? Ouais, j'aurais pu, hein. Oui, les pouvoirs maléfiques, tout ça. Ara! Ta-ta-ta-ta. T'es bien gros, toi. Il fait un geek. Il n'y a pas que des zombies, il y a des geeks. C'est horrible ce jeu. Et puis le geek est costaud hein, avec tout ce qu'il bouffe. Allez-moi ça. Et l'autre elle part. Oh! C'est là. Non, là. Ouais, idiote. Bon, voilà. Alors, Succubus with Guns, est-ce un bon jeu? C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Et puis dans l'état, je voudrais pas être médisant. Alors, j'ai pas beaucoup le retour son, mais je pense que je rate rien. Oui, c'est symétrique. S'il y en a un qui vient d'un côté, il vient de l'autre. Qu'est-ce que c'est ça? J'arrive, 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 j'arrive. Oh! Aéropad, c'est pas top. Hein. On va dire, on va faire sa technique quand même. Au clavier, ça doit être plus souple. Mais j'imagine que mon clavier ne doit pas être mappé puisque ce truc est déjà à peine programmé comme il faut. On le verrait mal en train de se. Arrête de dandiner, toi. Munitions, je prends. Et je cours avec mes New Rocks toujours. Alors, essayez de courir des New Rocks, hein, les gens qui connaissent pas. Oui, elles pèsent 2 tonnes, ces gosses. Je le sais, hein, j'en ai. Mais non, je ne suis pas une drag queen. Arrêtez votre médisance, les viewers. Mon dieu, un geek torse nu! Non! Et il fait gras, hein? Oh, ce jeu, c'est le meilleur jeu du monde. Je suis charmé. Je pense que je vais passer toute ma journée sur ce titre pour le dépiauter dans tous les sens et vous le faire voir jusqu'au dernier polygone. Ça, ça se mange pour reprendre de la santé. Non, ça, c'est dans un jeu, madame. Là, t'es dans Succubus. Faut pas tout mélanger non plus. Je recharge, chérie. Je recharge. Du calme. Arrête de... Elle attend, hein. Oh, j'ai envie d'être Eddie Murphy dans Golden Child. Hey, mec, y a pas de fin. Y a pas de fin dans ton jeu. Mec. Hey, mec. La visée, elle est molle. Il y a une petite inertie à la Mario qu'ils ont trouvé judicieuse de rajouter et que je trouve amplement pitoyable. Un lance-roquette. Pourquoi faire? Ah, ouais. Pourtant. Ça peut être jouable, hein. Ouais, j'en avais trop envie, hein, je suis désolé. Est-ce que ça sent l'ennui? Ça, c'est la version positive, hein. Ratatatata. Non, toujours pas.
Bon, d'accord, toujours pas. C'est pas grave. Si. Ah, c'est mieux la mitraillette, hein. Ça, la mitraillette, hop, la santé, j'en avais besoin. J'avais pas fait gaffe à cette jauge. On va rester là combien de temps, les amis? Parce que moi, je suis totalement sous le charme de ce jeu. C'est certain, regardez mon enjaillement au ton de ma voix. Mais 1, qu'est-ce que je fous là? 2, on va où? 3, ce petit cul qui se dandine. Ça fait combien de temps? 11 minutes. Et regardez là. Rock and roll, yeah! Il y a un photo mode, il paraît. Alors si j'arrive à trouver la touche, on va se marrer. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Ah, ça sent le plantage. Alors, Succubus Sweet Guns, un très très bon jeu qui vous donnera des frissons, des suées, de la tension, de l'inertie aussi. Et bien entendu, respectera la gravité grâce à ces magiques nénés. Que vous pouvez voir rebondir pendant toute la durée du jeu. Maintenant, est-ce qu'il y a un jeu derrière? Ça, faudra que vous me le disiez, les gars, parce que je ne serais pas allé jusque-là, vu que le titre vient de planter. Hein. Oh mon Dieu, il est revenu! Il est revenu! Ça remarche! Juste une illusion. La 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 la. Allez, moi, je vous abandonne. Je continue de faire de courir petit cul. Hein. Je sais pas si on va aller bien loin là-dedans, parce que c'est... Regardez l'autre conne là-bas, je vais lui tirer une balle dans le. Pile entre les deux yeux. Voilà. Plop. Reload, reload. Oui, je fais comme dans les rail shooters. Et l'autre il court là-bas comme un con. En se disant, elle finira bien par passer dans le coin cette andouille. Non, 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 non. Alors ça a beau garder les cadavres sur le sol, franchement, si c'est ça tout le long. Si c'est ça tout le long, on va rapidement se faire s'ennuyer. Sérieux. Vous pensez à quoi les gars quand vous faites ce genre de jeu? À qui? À comment? Parce que perso, moi aussi j'ai mes petits vices et mes petites perversions, mais je partage du bonheur avec les gens, pas du calvaire. Allez-moi cette merde. One shot. Ça va durer longtemps. Oui. En tout cas, je reste pantois devant la diversité des ennemis E.S. qui sont tellement sexy, qui sont tellement ravissantes et crédibles de méchanceté et de tout ça que je n'ai pas, que je vais m'en aller, me mettre derrière un pylône et pleurer devant le raté et l'inutilité globale de ce titre. Qui, avouons-le, ne satisfera ni les fans de FPS ni les fans d'instant fripon. Et non. Oh, j'ai gaspillé un panneau PEGI 18 pour rien à cause de vous. Et en plus, c'est comme dans tous les jeux de zombos, on recule et on tire. Non-stop. Attends, je vais le faire moi. Ah, tu fatigues, tu fais de la sprange et des pastilles Vichy dans mon sac. On tourne? Silence, ça tourne. C'est une nouvelle émission avec Arwan Cario et toute la team. C'est silence, ça tourne. Oui, ça fout la gerbe, hein. Ah, c'est un peu fait exprès. Vous allez craquer. Hop. On change de sens, il s'y attendait pas, gros con. Regardez, il tourne encore. Il doit avoir le tournis maintenant, il sait plus où il est. Bon, Succubus Sweet Guns, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Recommandez-le à des gens que vous aimez pas. Vous allez vous marrer. Vous leur dites, ah, oh, j'ai un super jeu, il est un peu. Je sais pas si je te conseille, quoi, il est vraiment. C'est un jeu de niche, quoi, tu comprends? C'est le Turfu. Faudrait le conseiller au. Chez Gamekult. Oh, c'est sorti tout seul! Oui, des fois je fais des bons headshots. Même, surtout avec des gens que j'aime. Si c'est avec des gens que j'aime pas, j'évite. Les bruitages, les bruitages. Jean-Michel, qui était une fois de plus dans ses sanitaires, et qui était là, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai une grosse envie de chier. Ah, je vais faire le zombie! Presque! Ça y est,
Ça va mieux. Elle s'essuya et tira la chasse, après avoir fait 1h30 de session bruitage dans ses sanitaires. Comment ça, monsieur K, on n'est pas dupe, t'es en train de meubler avec ton jeu pourri, t'arrêtes pas de faire la même chose depuis tout à l'heure. Oui! Ah, il recharge en même temps que moi, il a pas de bol. C'est chiant, hein? Ouais, je sais. On avance! Bon, les amis, je vous abandonne parce qu'on est passé dans un piège à con. Hein. On va l'appeler comme ça, ce jeu. Il essaye de vendre du fan service, mais il est tout pourri, il est tout naze, il est tout répétitif. Et il y aura beau y avoir du monde. Apparemment, ils ont trois pops, trois props qui ont été fabriqués. Et puis voilà, trois personnages différents. Et vous pourrez jouer à ça pendant toute la journée, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année. Il n'y a pas besoin de tirer en plus, regardez. On la laisse se faire bouffer? Ouais, pour le sport. Allez, je vous laisse sur cette belle vue. Et je vais en profiter pour insérer le bouton d'abonnement. La playlist généraliste. Et la playlist un peu plus bas, des shmups. Faites pas trop de cauchemars. Ciao.